Je vais lire pour vous un texte des Saintes Écritures dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 22, 23 et 24, et Moïse a écrit. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, cette fois, c'est l'ange de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Seigneur, que ta parole nous parle ce soir pour la transformation de nos vies et surtout pour l'édification de ce jeune. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Dans la vie, il y a un début à tout. Un commencement en toutes choses. Les débuts sont souvent des sources d'angoisse. Les débuts nous conduisent vers l'inconnu, vers des sentiers non empruntés ou des expériences non explorées. Par contre, les commencements sont également des sujets qui suscitent la joie, un enthousiasme contagieux. Le mariage provoque particulièrement cette joie, cet sentiment. Et ce sentiment de joie, cette passion, cette folie. Mais ce ne sont pas les couples de notre ère uniquement qui vivent cette joie, qui expérimentent cette folie, qui expérimentent cette passion. Car déjà dans le livre de la Genèse, lorsqu'Adam a vu Ève conduite par le Seigneur, éblouie par la beauté de cette femme, Adam a crié, il s'est exclamé, voici maintenant celle qui est chair de ma chair et celle qui est os de mes os. Quoique ce fût un moment de joie pour Adam, mais ce n'était pas la fin en soi. Ce n'était pas un moment qui s'évanouit dans l'espace de Simon, mais ce n'était qu'un commencement. Et ce soir, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un début pour vous deux. Ce n'est qu'un début où vous allez expérimenter l'amour, car l'amour est une expérience. C'est dans l'amour qu'on apprend, c'est à cause de l'amour qu'on apprend à se connaître, à voir à quel point on peut être vulnérable devant l'autre. Ce soir, vous avez expérimenté une autre femme, car les gens de cette église pensent qu'elle est timide. Mais l'amour donne des ailes. L'amour guérit la langue. L'amour fait couler le cœur. L'amour fait couler l'amour dans la bouche. L'amour fait pitié les yeux. L'amour fait vibrer le cœur. Oui, vous allez voir comment vous êtes vulnérables l'un par rapport à l'autre. À cause de l'amour, on apprend également à connaître l'autre, à connaître l'homme ou la femme que l'on aime. Avec l'amour, on expérimente le sacrifice. Le sacrifice que l'on peut faire pour l'autre, oui, à cause de l'amour. On expérimente l'amour comme un sentiment. Mais l'amour n'est pas uniquement un sentiment, c'est un apprentissage. On expérimente non seulement l'amour, mais on apprend également à aimer. Le psychiatre Scott Peck a écrit, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une volonté. On apprend à aimer. L'amour est une action, l'amour est une décision. C'est la raison pour laquelle, quand on retient le chapitre 13, l'apôtre Paul a écrit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour ne fait point de malhonnête. L'amour nous permet d'aimer l'autre. L'amour est une action. L'amour n'est pas uniquement un sentiment. Donc, ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début où vous allez expérimenter l'amour, où vous allez également apprendre à aimer. Mais ce n'est qu'un début où vous allez expérimenter également l'accompagnement. C'est le Seigneur qui a écrit, qui a dit, et Moïse a écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime cette parole de l'Ecclésiaste, en Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12,
et je cite, deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si les deux couchent ensemble, ils auront chaud. Bon, déjà ce soir, il fait déjà très chaud. Hein, donc. S'ils couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Probablement, vous vous êtes senti seul et le Seigneur vous a donné l'un à l'autre. Chérissez cet accompagnement. Ne laissez pas vos différends vous mettre vous séparer. Ne laissez pas les pécadilles vous diviser. Ne laissez pas les huitires mettre la division entre vous. Car deux valent mieux qu'un. Ce soir, vous allez expérimenter le début de l'accompagnement. Non seulement vous allez expérimenter l'amour, et ce n'est que début d'expérience par rapport à l'amour, vous allez expérimenter l'accompagnement, ce n'est que le début de l'accompagnement, mais également ce n'est que le début d'une vie intime. Genèse 2, verset 25 dit, ils étaient tous nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient point. C'est l'intimité ultime. Car il y a trois niveaux d'intimité. Il y a l'intimité physique, l'intimité émotionnelle et l'intimité spirituelle. L'intimité physique, c'est la relation sexuelle que l'homme a avec son épouse. D'ailleurs, le terme original, l'expression originale, ginosko, c'est-à-dire charité, une intimité profonde. Et c'est ce même mot que Jésus a exprimé en Jean chapitre 17, lorsqu'il a dit, Seigneur, je veux qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. De la même manière que le Seigneur vous connaît intimement, vous allez vous connaître physiquement, de manière intime. Mais ce n'est que le premier niveau de l'intimité. Car on peut avoir des relations sexuelles avec une femme ou un homme pendant 25 ans, mais malgré tout, cette personne ne vous connaît pas au plus profond de votre cœur. C'est le deuxième niveau d'intimité, c'est l'intimité émotionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir votre cœur, ouvrir vos sentiments, vous laisser voir comme vous êtes, dans votre faiblesse, mais également dans votre laideur, tout en sachant que cette personne va quand même vous aimer, que cette personne ne va pas utiliser vos faiblesses pour vous faire du mal. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est l'intimité émotionnelle. Le troisième niveau, c'est l'intimité spirituelle. Où vous êtes nu devant le Seigneur, vous et votre époux, nu spirituellement. Le Seigneur peut vous voir dans toute votre intimité émotionnelle et spirituelle. Et vous vivez cette intimité ensemble avec le Seigneur. Beaucoup de couples ont des relations sexuelles puissantes et intimes. Beaucoup de couples se connaissent émotionnellement bien. Mais beaucoup de couples ne grandissent pas avec le Seigneur ensemble. Vous êtes appelés à vous connaître physiquement, à être intime émotionnellement, mais également à être intime spirituellement. Vivez votre mariage devant le Seigneur, pas de manière séparée, mais ensemble. Je peux vous dire que c'est facile de prier seul, mais c'est difficile de prier ensemble. Surtout si vous vous mariez à un fils ou à une fille de pasteur. Je peux vous garantir, quand madame peut commencer à prier 5 minutes, 10 minutes, et commence à prier pour tous les membres de l'église, tandis que monsieur, lui, il commence à dormir. Ce n'est pas le diable. Non. C'est le syndrome des fils et des filles de pasteur. Mais je vous encourage à prier ensemble. Je vous encourage à vivre votre vie spirituelle ensemble. Vous connaîtrez l'intimité spirituelle, physique et émotionnelle, et ce ne sera que le début. Mais vous savez, dans la vie, toute médaille a un revers. Tout ce qui est bon marche également avec quelque chose qui est mauvais. Vous connaîtrez non seulement l'amour, ce ne sera que le début de l'accompagnement, ce ne sera que le début de l'intimité. Mais je veux vous avertir d'entrée de jeu.
Et ce soir n'est que le début de la douleur et de la tristesse. Car dans le mariage, il n'y a pas uniquement la joie. Dans le mariage, il n'y a pas uniquement l'intimité physique, spirituelle et émotionnelle. Dans le mariage, il n'y a pas uniquement l'accompagnement. Mais le mariage a également de la douleur et de la tristesse. Car en Genèse chapitre 3, Ève a connu le premier rejet. Lorsqu'Adam a dit au Seigneur, c'est cette femme que tu as mise auprès de moi qui m'a conduit au péché. Ève a connu le rejet émotionnel. Ce même homme qui avait dit au Seigneur, voici maintenant celle qui est chère de ma chair et os de mes os, a reproché au Seigneur de lui avoir donné Ève. Vous connaîtrez des moments de tristesse, des moments de douleur, car vous pensez vous connaître. Mais à partir de ce soir, demain, dans les jours qui vont venir, vous verrez que vous vous connaissez uniquement à la surface. Mais cette douleur, cette tristesse, Dieu vous a donné un palliatif. Dieu vous a donné un remède. Dieu vous a donné un chemin. Si vous suivez ce chemin, vous pourrez vivre l'intimité, la joie et l'accompagnement en dépit de la tristesse. J'aimerais partager ce chemin avec vous. 1 Corinthiens chapitre 13 et Éphésiens chapitre 5. Vous pourrez surmonter tous les obstacles et les difficultés de la vie si vous vous aimez. Vous pourrez braver les moments les plus intenses de votre vie, les difficultés les plus sévères de votre existence si vous vous aimez comme le Seigneur vous a aimé. Vous pourrez également faire face aux vicissitudes de la vie si vous suivez l'exemple de l'apôtre en Éphésiens chapitre 5, vous soumettant mutuellement l'un à l'autre, vous respectant et en vous aimant. Mes chers amis, ce soir n'est qu'un début. Et j'espère que vous jouissez de ce moment. J'espère que vous jouissez à pleine passion et à bras ouverts de cet instant, car ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Nous allons vous voir dans les années qui vont suivre, et nous vous dirons année après année, ce n'est que le début. Ceux qui ont 15 ans de mariage à votre 12e anniversaire vous diront, ce n'est que le début. Ceux qui ont 25 ans de mariage après votre 20e vous diront, ce n'est que le début. Et si le Seigneur tarde, ceux qui auront 50 ans de mariage à votre 40e vous diront, ce n'est que le début. Et nous vous disons ensemble ce soir, ce n'est que le début, que le Seigneur vous bénisse. Amen.